Good morgen, allez, Yiden, les sutres aujourd'hui, le Nishmat, Mori Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, Risha Batrin Nechemia, ainsi que les Rufouat Avraham, Mori Ben Ruth, Betor Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, par exemple, Mishnah Gimel. Vekulan Enan Metamot Bevet Abli'a, Umoalin Ba'en, Chutz Mechatat Aof, Sheasa'a Lemata, Kemase Chatat, Leshem Chatat. Mishnah simple qui vient compléter la halakhot qu'on a appris dans les deux Mishnah précédentes. Dans les Mishnah précédentes, on avait parlé de la Khatata'of et de la Olata'of, que l'on a fait soit comme le rituel imposé par la Torah le requiert, soit qu'on l'a mal fait. Selon le cas, on avait un korban qui était parfois kasher, c'était les deux premiers cas de chacune des deux Mishnayot, ou des korbanot qui étaient devenus psulim, qu'il fallait nécessairement brûler, apporter deux autres korbanot à la place. D'accord ? On avait parlé de Khatata'of. Pour rappel, Khatata'of, c'est celle qu'on fait au sol, dans le coin sud-ouest, et on asperge le sang sur le misbéar, et après, on la donne à manger au Kohanim. Et la Olata'of, c'est celle qu'on fait en haut du misbéar, dans le coin sud-est, et qu'on lui sectionne la tête complètement, on verse le sang sur le misbéar, et puis ensuite on la jette au feu, là-haut, elle est entièrement brûlée sur le misbéar. D'accord ? Maintenant, la Mishnah, donc pour rappel, on avait appris dans la Mishnayot différents cas de figure. On avait été Shochet, Shelo Lishma, on avait fait la Melika, pas comme le requiert, c'est-à-dire, et pour la Khatata'of, il fallait couper un seul siman. Et donc la Mishnah nous a dit que si on a coupé les deux siman, là on a rendu invalide la Khatata'of, d'accord, l'expiation faite avec la volaille. Et pour la Olata'of, de nouveau, il faut aller nécessairement couper les deux. Et donc si on a coupé qu'un seul, le korban n'était pas saoul. La Mishnah vient et m'enseigne maintenant. Vekulan, et tous ceux que j'ai mentionnés, que tu les aies fait comme il se doit ou comme il ne fallait pas les faire, comme c'est comme par erreur, sache que malgré tout, enan metam ot bevet abli'a. Ils ne vont plus impurifier celui qui les consomme lorsqu'ils vont passer bevet abli'a dans le gosier. Je vais expliquer, mais d'abord. Non. J'explique tout de suite, et on reviendra ensuite, on prendra la Mishnah, et on passera ensuite à la fin de la Mishnah. J'explique d'abord quelque chose de très simple. Il y a dans les Ofot, d'abord, chaque animal qui est mort sans être abattu par une Shrita, alors il véhicule une impureté. On va avoir une Nevela, d'accord, un cadavre de vache, par exemple, et bien si on le touche, on devient impur. Idem pour toutes sortes d'animaux, un mouton, une chèvre. Si on le touche, on devient impur. Pour les poulets, les volailles spécialement, alors l'impureté des volailles n'est pas véhiculée lorsqu'on les touche, mais lorsqu'on les avale, même si on ne les touche pas. Même si c'est quelqu'un qui va me prendre un kazaït de poulet mort, sans shrita, il va me le prendre, il va me le faire entrer directement dans le gosier. Qu'on considère que de toucher le gosier, c'est pas un contact qui rend impur. Malgré tout, le fait de manger un poulet mal égorgé fait que on devient impur. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la Touma Bevet Abli'a. Touma, l'impureté, véhiculée lorsqu'on est Bevet Abli'a. Littéralement, le lieu, la maison, le lieu où on est Boléa, où on avale. Donc c'est le gosier. Ok ? Lorsqu'on mange un poulet ou une volaille mal égorgée, on n'a pas fait la shrita comme il se doit, alors elle véhicule une impureté. Ok ? Maintenant, lorsqu'on fait, bien évidemment, une melika, c'est pas une vraie shrita. Une shrita, c'est quand on prend un couteau et on coupe le cou de la volaille de par devant. Là, lorsqu'on fait la melika, on la part derrière, on lui enfonce l'ongle. C'est pas une shrita. Ouais, mais une rote shrita, si on s'amusait à faire une melika à une volaille, eh ben la volaille, elle serait très fa. Et on deviendrait impur en la mangeant, je pense. Ouais, logiquement. Maintenant, la Mishnah va m'enseigner, sache que malgré tout, pour les korbanot, les volailles que tu fais au Beth Amikdash, puisque c'est leur mitzvah de le faire de la sorte, de ce fait, elles ne vont pas te rendre impures. Mais mieux que ça, la Mishnah va me dire, sache que même tous les korbanot que tu as mal fait, dans la mesure où tu t'es trompé d'intention, tu t'es trompé de rituel parce que tu as coupé les deux simanim au lieu de un, ou tu as coupé un au lieu de deux, d'accord ? Tous les cas qu'on a évoqués dans la Mishnah précédente, sache que malgré tout, la melika, l'abattage rituel, donc avec l'ongle, il a quand même suffi pour pouvoir lever l'impureté que maintenant, celui qui va manger cette volaille ne va pas devenir impur. C'était clair ?
je reprends dans les mots, Vekulan enan metamod bevet amlia. Tous les cas évoqués depuis la Mishnah Aleph, qu'il s'agisse d'une khatatov qu'on a fait l'Ishma et Kemaase Khatat, et ou bien qu'on a fait Kemaase Ola, ou qu'on a fait l'Echem Ola, ou tout ce qui a été évoqué, qu'on a fait les Mala, et les Idem aussi pour la Ola, Vekulé, tous les cas de figure, sache que tous, enan metamod bevet amlia, même lorsque la Shrita, la Menika a été mal réalisée, sache que désormais, cette volaille ne va plus rendre impure lorsque tu vas l'avaler. D'accord ? Parce que la Menika a quand même fonctionné pour pouvoir lever l'interdit. Ok ? Maintenant, la Mishnah continue encore avec une deuxième halakha. Et dans tous les korbanot où tu ne... dans tous les korbanot évoqués, de tous les cas de la Mishnah, Aleph comme Nambet, sache que désormais, Mo'alin Ba'en, celui qui va les manger, va faire un sacrilège. Et on va expliquer exactement c'est quoi, mais d'abord j'avance. À une seule exception, Chutz, mais Khatata'of. À l'exception de la Khatata'of, de la volaille, tourterelle ou pigeon, qu'elle a fait en expiation, chez Asa Alemata, qu'il a fait en bas, au sol, Kema Sechatat, l'Echem Khatat, qu'il a fait comme le rituel de la Khatat le requiert, au nom d'une Khatat. Donc il a fait comme il se doit. Puisque là, il s'est acquitté de la mitzvah, il l'a fait parfaitement comme ce que la Torah lui a imposé. De ce fait, celui qui va consommer cet animal ne va plus transgresser un interdit de Meïla de faire un sacrilège. Et là, je m'explique très brièvement. Il y a toute une masserette dans Kochim qui s'appelle Meïla, je crois que je ne sais pas dans ce krach, c'est beaucoup plus loin. C'est vers la fin de Kochim plutôt, il y aura là-bas une masserette qui s'appelle Meïla. On va parler longuement des sacrilèges. C'est quoi un sacrilège? C'est quelque chose qui est kadosh, qui est saint, qui appartient au Beth Amikdash. Ça peut être un corban, ça peut être un ustensile, ça peut être de l'argent qu'on a consacré au Beth Amikdash. Que quelqu'un va aller les utiliser à son propre profit, intérêt, eh bien, il transgresse un interdit de Meïla. Il fait un sacrilège. Ça, kapara, ce sera de rembourser le profit qu'il a eu, rajouter un cinquième, et apporter un corban Hacham, qu'on appelle le Hacham Meïlot. On a déjà eu l'occasion de l'évoquer. Ok ? Ça, c'est pour la Meïla, c'est un principe général. D'où la question assez intéressante. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un animal kadosh, que c'est un korban, tout d'abord. Avant la question. Lorsque j'ai fait un korban que je peux consommer, alors bien évidemment, si la Torah me permet de le consommer, je ne transgresse plus d'interdit de Meïla. C'est normal, puisque la Torah me l'a attribué. Hachem, il m'a dit, viens mon fils, viens manger à ma table. Donc je vais et je mange un shlamim, un bout de viande shlamim. Je ne vais pas transgresser un interdit de Meïla, puisque je suis convié à le faire. Ok ? Là, maintenant, la Mishnah m'enseigne maintenant une règle, je le prends à l'envers en fait. Je commence par le chutz pour ensuite revenir à l'interdit. D'abord, je vais commencer par le cas permis. Question originale, sympathique. Imaginez que maintenant, il y a une part de viande qui revient spécifiquement au Kohanim, pas au Israël. Par exemple, Chazev HaShok, il y a des parts d'un korban qui reviennent au Kohanim. Ou encore, Khatataof en l'occurrence. La Khatat, on a dit qu'elle est consommée intégralement par les Kohanim, ou tout korban Khatat, il est consommé par les Kohanim. Partant de ce principe, un Israël n'a pas le droit de le manger. Ouais, il y a même un Chiyuv Mitabi des Shamaim, je crois. Donc, un Israël n'a pas le droit de le manger, en tout cas, c'est sûr. Question, si je le mange, est-ce que je transgresse un interdit de Meïla ou non? C'est-à-dire, j'ai plus le pass pour être invité à le manger. Je suis plus invité à le manger. Donc, apparemment, l'animal serait kadosh. S'il est kadosh, il a une kdusha, bah d'ailleurs, il a une kdusha. Et j'ai pas le droit de le manger. En théorie, je devrais probablement transgresser un interdit de Meïla, de faire un sacrilège. La Mishnah m'enseigne une grande règle que non. Étant donné que Yesh Heter la Kohanim, alors il n'y a plus de Meïla, puisqu'il y a une permission pour les Kohanim, donc c'est plus quelque chose qui est Kadosh 100% complètement déconnecté des humains. D'accord ? Quelque part, on peut l'illustrer de la sorte. C'est plus quelque chose qui est complètement au-delà des humains, étant donné que les Kohanim, ils ont aussi le droit de le manger. Puisque les Kohanim, ils ont le droit de le manger, alors là, c'est un niveau de Kdusha quelque part un petit peu diminué, dans la mesure où on ne va plus transgresser de Meïla, si ça va être une personne qui n'a pas été conviée à la manger, qui va malgré tout le consommer. D'accord, c'est le principe. À la différence, donc, maintenant, je reviens sur tous les corbanotes qu'on a évoqués. On a parlé de Khatataof, on a parlé de Olataof. Ils étaient kadosh, tout ça. Ils sont kadosh. Si ça aboutit à une permission pour les Kohanim de manger, celui qui va le manger ne transgressera pas d'interdit de Meïla. Si on n'a pas abouti à une permission à aucun moment, pourquoi? Parce que c'était une Olataof qui monte entièrement au Misbeach. Ou encore, parce que le Korban, c'est le Khatataof, il a été mal fait. Donc de ce fait, on a plus le droit de consommer. On a plus le droit de consommer, il reste Kadosh. Sans permission pour les Kohanim, en l'occurrence, interdiction formelle de le manger, celui qui le mange transgresse l'interdit de Meïla. Vous avez compris? Regardons, on fait ça dans les mots. Umo Alin Ba'en, et on transgresse l'interdit de Meïla de faire un sacrilège.
qui nous implique donc d'apporter un korban meila, hacham meilot, avec en payant le, remboursant le keren, le capital, la somme de la chose, et en rajoutant le cinquième, à une seule exception de tous les cas évoqués, qui sont chutz mechatataof, à l'exception de la chatataof, de la volaille qu'on a fait en expiation, chez Asal et Mata, qu'il a réalisé en bas, au sol, pas en montant sur le kevesh, il a bien fait là où il fallait, kema sechatat, comme le rituel du chatat l'impose, en lui sectionnant un seul des deux simanim, l'œsophage et la trache artère, et l'échem chatat au nom d'un chatat. Donc puisque le korban il est permis au kohanim, il n'y aura plus d'interdit. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.